Putain, les potes, mais qu'est-ce que Tutu est en train de faire de bon matin comme ça? Hé, hey, Tutu, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ouais, mais. Regarde, c'est quoi? Mais de quoi, qu'est-ce que c'est ça? Mais. D'après toi, qu'est-ce que tu penses Ouh, que ça pourrait bien être? La carotule, Tutu? Ouais. Et bah écoute, je suis pas sûr que ce soit un truc qui existe dans le corps humain, je crois que c'est plutôt la carotide. Et bah oui, c'est situé en tout cas à un endroit dans le corps humain, oui. Ah, mais c'est où? Et bah écoute, je vais pas te mentir que je me rappelle pas trop. Je crois que c'était peut-être vers la tête, je pense, un truc comme ça. Bon, écoute, Tweetwee, au pire, bah écoute, Et bah écoute, en fait, si Tweetwee, tu vois, si j'ai mis une photo d'un corps humain ici, c'est tout simplement parce qu'en fait, je vais devenir un tout nouveau médecin dans la ville. Et en fait, voilà, aujourd'hui. Mais la dernière fois que je suis devenu médecin, tu sais, c'était pas pareil. Là, je vais devenir en fait un chirurgien. Ça veut dire que je vais faire de la chirurgie sur des gens, tu vois. Par exemple, si quelqu'un il est pas très beau, et bah hop, on lui fait un petit coup de chirurgie et il est beau. Même pas mettre un pansement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tweetwee? Attends, tu te rappelles pas la dernière fois que t'étais malade? Je t'avais ouais. Bah écoute, c'était passé quoi. La maladie elle est passée, non? Quand t'étais malade la dernière fois. Mais c'est pas grâce à toi, ça c'est sûr. Ah, mais si, arrête, Tweetwee, un petit peu quand même. Eh, sois un petit peu gentil avec moi là, t'as vu comment t'es. Écoutez, les potes, aujourd'hui, voilà, j'ai lancé une vidéo tout simplement parce que je pense que vous avez pu le comprendre. Déjà, je suis surpris de voir Tweetwee en train de réviser le corps humain. Mais surtout aujourd'hui, bref, parce que je voilà. Vais jouer à Play. Ah, ok, Tweetwee, ça marche, va jouer. Mais c'est surtout les potes parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, voilà, il y a un villageois qui a demandé, voilà, à ce que je vienne le soigner. Alors, en fait, c'est pas vraiment qu'il est malade, mais c'est plutôt qu'il veut devenir musclé. Et pour ça, le problème, c'est qu'il veut pas travailler, il veut pas faire de sport. Comme vous savez, voilà, pour devenir musclé à l'heure actuelle, il faut faire du sport, il faut bien s'entretenir, manger équilibré, etc. Et voilà, après, voilà, les muscles viennent tout simplement. Mais lui, voilà, il veut vraiment pas faire de sport. Et puis, bah, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lui faire des petits trucs, des petits changements dans son corps. Mais c'est tellement dangereux, les potes. Mais voilà, le truc, c'est que lui, il veut absolument pas faire de sport. Je lui ai dit, hein, les potes, que c'était super dangereux pour sa santé. Mais il ne veut absolument pas m'écouter. Donc, eh bien, les potes, on est obligé de passer à la manière forte. Et on va, du coup, bah, devoir de l'opérer et lui faire des petits changements qui risquent d'ailleurs de pas très bien se passer. Et c'est pour ça que je compte sur toi pour bien que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Parce que, à mon avis, il va se passer vraiment des trucs de ouf durant cette vidéo. Et dès maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne me feras plus aucune de mes vidéos. N'hésite pas aussi à pourquoi pas mettre un petit pouce bleu, les potes. À 5000 likes, je ferai un nouvel épisode où on pourrait partir opérer. Voilà, quelqu'un d'autre comme un youtubeur ou n'importe qui, enfin bref, mettez-moi dans les commentaires des personnes à qui ça vous dirait bien qu'on parte les opérer parce que peut-être qu'ils ont peut-être pas un joli visage ou quoi, donc voilà. Et bah écoutez les potes, on est sans plus tarder directement parti, mais attention, avant que je parte à l'endroit où je vais devoir m'occuper du coup de mon patient, je compte sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes et attention, le défi c'est aujourd'hui de le faire en moins de 5 secondes, attention, à partir de maintenant, top chrono, voilà, t'as 5 secondes pour t'abonner et liker, attention, go, et si tu t'abonnes pas et tu mets pas de pouce bleu dès maintenant, non, et bah fais gaffe à toi parce que si tu le fais pas en moins de 5 secondes, et bah malheureusement tu vas devenir trop moche, voilà, il y a plus personne qui va être amoureux de toi, donc dépêche-toi vite de t'abonner à la chaîne, hein, franchement, c'est le petit conseil du jour, les amis, donc en plus, ce qui est cool, c'est que c'est totalement gratuit, donc dès maintenant, n'hésite pas vraiment à le faire, c'est super important. Et puis bah nous les potes, on est directement sans plus tarder parti pour aller dans la salle de... bah la salle dans laquelle on va donc devoir soigner un patient. Ah mince, je suis bête, désolé, je savais pas que t'étais chez toi. Ok, yo mec, tranquille. Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors par contre, juste, est-ce que tu pourrais mettre ton masque? Parce que, ouais, bon, pire, tu mettras après. Attends, je vais mettre mon masque, attends. Ouais, mets ton masque, le villageois. Bon, les potes, vous avez vu un petit peu la gueule de ce villageois? Bon, alors, le truc, c'est que moi, je n'ai pas encore ma tenue de médecin, j'irai la chercher juste après. Mais voilà, on va attendre que le villageois mette son masque. Ah, voilà, nickel. Bon. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on vienne s'asseoir ici, le patient, enfin, du coup, et on va parler un petit peu plus. Oui. Donc, explique-moi un petit peu quels sont les problèmes et quelles sont pour toi les solutions. Qu'est-ce que tu recherches, en gros? Parce que moi, j'ai cru comprendre comme moi, quoi... Moi, je veux être musclé. Tu veux être musclé, c'est ça? Ouais, parce que là, je suis musclé que du bras droit. Ah, t'es musclé que du bras droit. Bah, en même temps, quand tu portes des haltères que d'une main, c'est forcément obligé que ça te muscle qu'une main, quoi. Oui, c'est un gros haltère, en plus. Un gros haltère. Ok, d'accord, je pense avoir plus, monsieur. Écoute, dis-moi plutôt, comment est-ce que tu imaginerais ton corps? Genre, tu veux être musclé comment? Un très, petit très musclé. Genre, tu veux avoir des abdos ou tu veux en muscler un corps encore plus? Petit beau in shape. Écoute, tu sais quoi?
Ce que je te repose, c'est que tu me dises carrément que tu m'illustres avec des photos à quel point est-ce que tu veux être musclé. Genre là, tu vois, je te mets des petits cadres et t'essaye de mettre des photos d'exemples, tu vois, de à quel point tu veux être musclé, tu vois. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu comprendre à peu près à quelle hauteur on en est, tu vois. Donc, les potes, ne quittez pas la vidéo parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, voilà, de deviner à peu près à quel point est-ce qu'on va devoir lui injecter des piqûres, etc. Parce que comme vous le savez, c'est super dangereux de faire des expériences comme celle-ci. Je veux être musclé comme lui. Waouh! Ah ouais, mais lui il est musclé. Attends, mais lui on a pas vu ça, on a pas vu son corps là. Là je vois qu'il a. Je vois qu'il. Ne voudrait pas. Hein? Ne voudrait pas montrer son corps. Ah, mais écoute, j'arrive pas à savoir s'il est musclé ou pas, du coup. En fait, il me faut une sorte d'illustration pour voir à quel point il est musclé, ce monsieur-là, parce que là, on voit... Il y a pas de photo, moi. Attends, je vais regarder un petit peu sur mon... Au pire, tu sais quoi? Je regarde sur mon ordinateur et je vais te les montrer et tu vas me dire si pour toi ça te plaît ou pas, d'accord? D'accord. Voilà, ok, bon, allez, c'est parti, les potes. On va poser l'ordinateur juste là et on va regarder un petit peu. Là, celui-là. Celui-là, là, que tu vois maintenant à l'écran, t'aimerais bien être aussi musclé que lui. Ok, oui. Voilà, les potes, voilà, je vous mets différentes images de personnes super musclé, voilà à quel point il voudrait se muscler ce villageois là. Comme ça là, c'est ça? Comme ça? Oui, c'est ça. Ok, ok, nickel. Et bah écoute, tu sais quoi? Le villageois, villageois du coup, bah je pense que il est possible que je puisse te faire ça. Ouais. Mais alors pour ça, il faudrait que tu me suives déjà dans un premier temps. Et on va voir un petit peu. Là, bah... C'est chez moi ici déjà. Ouais, ouais, je sais, je sais. Mais donc c'est ici que tu fais toutes tes expériences, etc. C'est ça? Ouais. Oula, oula, pourquoi est-ce que c'est si étrange vers ici? Je me sens pas trop à l'aise, hein. Je vais pas te mentir là avec entre les corps qu'il y a ici et tout. Attends, mais explique, tu peux me dire si c'est des humains ces gens-là ou rassure-moi, ce n'est pas des humains quand même ces gens-là. Ah non, les potes, vous savez pourquoi c'est pas des humains? Tout simplement parce qu'ils ont une queue, les potes. Ils ont une grosse queue, donc ce n'est pas des humains, je pense. Ok, bon. Donc les potes, dans quelques instants, nous allons passer évidemment à l'opération qui risque d'être d'ailleurs très très dangereuse parce que voilà, le problème c'est qu'il y a à peu près une chance sur deux que cela marche, mais voilà, il y a aussi une chance sur deux du coup pour que cela ne marche pas, et puis bah évidemment si ça marche pas il pourrait y avoir des effets secondaires sur son corps, etc. Mais bon, de tout ça il est déjà au courant et il a dit comme quoi il avait pas peur et qu'il était prêt à tout pour devenir musclé, à part évidemment d'aller faire du sport. Et franchement c'est la seule chose qu'il y a à faire dans ces moments là et franchement c'est pour ça voilà que je le fais un petit peu par obligation malheureusement. Mais bon voilà, on verra un petit peu dans quelle situation il va se transformer, les potes. Mais voilà, moi si j'ai un petit message à vous dire, c'est que voilà, si jamais vous vous sentez pas très très bien dans votre peau, etc., n'hésitez pas voilà à, pourquoi pas voilà, essayer de vous motiver à faire du sport, etc. Et vous allez voir que franchement d'un coup ça ira sûrement beaucoup mieux. Et franchement peut-être pas forcément passer par des opérations, mais voilà, je respecte évidemment toutes les personnes qui le font sinon. Et voilà, mais franchement voilà, si vous vous sentez pas très bien, n'hésitez pas, un peu de sport, une alimentation saine, et vous allez voir que ça pourrait repartir très très vite. Voilà, bon les amis, nous on va directement sans plus tarder se mettre en costume de docteur, hein, parce que les potes, je vais pas aller quand même toucher un patient et surtout soigner un patient dans cette position actuelle. Donc c'est parti, on va sans plus tarder mettre voilà notre petit costume de docteur. Et voilà les potes, ça y est, on est maintenant un médecin. Et puis bah du coup bah les potes, nous ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant sans plus tarder aller voir un petit peu comment est-ce qu'il va ce fameux patient. C'est parti, on y va. En tout cas dès maintenant, je compte sur toi pour que tu mettes une note sur 10 de comment est-ce que tu trouves ma tenue actuelle. Si t'as bien ma petite tenue de médecin, bah n'hésite pas voilà à mettre une note sur 10. Et les potes, on va maintenant sans plus tarder commencer le début de cette opération qui risque d'être, comme je l'ai dit, assez dangereuse. Donc c'est pour ça, hein, regardez bien si jusqu'à la fin, c'est super super. Ah bah regardez, vous avez vu, on entend le patient là, il commence à avoir peur. Yo, bon remec, ça va? Bon, est-ce que on peut commencer l'opération maintenant ou tu penses ne pas être prêt encore? Oula. Mais j'ai peur. T'as peur? Ok, bon, écoute, ce qu'on va commencer par faire, c'est que je vais te demander de prendre une grande inspiration. Donc vas-y, prends une grande inspiration avec moi. Voilà. Oula. Fais gaffe, t'es en train de faire trembler la caméra, là. Waouh. Ok. D'ailleurs, tu sens pas très bon de la bouche, hein, mec. T'aurais pu au moins faire en sorte de te laver les dents avant de venir à l'opération. Waouh. Oh, les potes. Ah, il a envoyé un nuage vert hein, quand il m'a envoyé son odeur. Ah, il doit vraiment pas sentir bon de la bouche celui-là. Allez, bah du coup viens ici s'il te plaît. Il va falloir que tu viennes ici. D'accord. Parce que on va devoir commencer bah du coup l'auscultation, hein, évidemment. Tu sais bien que si jamais tu veux devenir musclé, ça va pas se faire non plus de la seconde à l'autre, hein. Je vais devoir travailler un petit peu sur certaines de tes hormones. Me rate pas. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas te rater.
Bon, eh bien les potes, c'est parti. Donc évidemment, vous savez ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement... C'est que moi, je vais pas te rater. Oula, pourquoi tu nous fais le gangster là? Allez, c'est parti les potes, on va sans plus tarder récupérer maintenant un ciseau pour lui ouvrir évidemment le ventre, hein, les potes, parce mais que... Mais non, d'abord faut attention, que tu attention, pique. Ah oui, c'est vrai, il faut que je te pique. T'es un malade, toi. Non mais, ça va, me parle pas dans sur ce ton là, s'il te plaît, hein, parce que hein, c'est quand même, ça sera grâce à moi si jamais tu arrives à devenir musclé. Allez, c'est parti les potes, on va du coup piquer. Attention, 3, 2, 1... Voilà, ça y est, ça y est les potes, vous avez pu le voir, la seringue est entrée, hop, c'est nickel, voilà, il est actuellement en plein sommeil. Et donc j'ai maintenant à peu près environ une heure devant moi pour du coup pouvoir faire un petit peu ce que je veux de lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment on va devoir faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire voilà, lui ouvrir le ventre pour commencer, hop, donc c'est parti, on va bien lui ouvrir le ventre. Chut. Oh les potes, c'est vraiment dégueu, hein, les potes, je vais essayer de pas trop vous montrer les bruitages, etc. qu'il y a, mais c'est un petit peu gore, hein. Donc voilà, c'est bon, son ventre est ouvert. On va maintenant passer à le petit coup de seringue pour lui racheter du coup des hormones. Hein, parce que là, voilà, c'est comme ça qu'il va pouvoir récupérer du muscle. Donc hop, des hormones par ici. Hop, on va lui remettre un petit peu d'hormones vers là-bas. J'ai cru voir un endroit où on pouvait mettre une seringue. On va aller voir. Ok, ici là, on peut mettre une seringue. Voilà, donc hop, des hormones par ici. Donc ça fait déjà deux hormones qui sont en train d'entrer actuellement dans son corps. Et bah écoutez les potes, on n'a plus qu'à attendre quelques instants. Voilà, histoire que les seringues se vident un petit peu. Voilà, bah je crois que les amis, c'est bon, elles se sont vidées. Et bah écoutez, les potes, nous ce qu'on va faire, c'est que pendant que du coup les hormones font agissement sur son corps, on va regarder un petit peu dans le coffre si jamais je peux pas récupérer une tenue. Oh bah tiens, regardez, il y avait une tenue de médecin ici, je l'avais même pas vue. Attendez, voilà, on va mettre cette tenue de chirurgien directement sur moi, voilà, comme ça je suis encore plus protégé. Et voilà, franchement, là les potes je suis pas mal. On va lui mettre dès maintenant sur respirateur les potes, hein, parce que bon, là il a la seringue, mais vous allez voir que pendant quelques instants il va encore avoir un petit peu mal. Donc c'est parti, voilà, hop, sous respirateur comme prévu, nickel. Et bah écoutez les potes, hein, on n'a plus qu'à attendre, on va écouter un petit peu qu'est-ce que... Oh, what les gars, mais wesh les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé là, il est en train de... Écoutez ce rythme cardiaque, les potes, il est en train de... Oh là, ouais les gars, je crois que j'ai mis un petit peu trop de... Oh là, je crois que j'ai mis peut-être beaucoup trop de vaccins, là. Enfin, pas vaccins, mais d'hormones. Oh là, les potes. Ouah, il vient de casser la machine. Il vient de casser la machine, les gars. Oh là, mais what, il a réussi à enlever le respirateur et tout. Oh là, il est en train de bouger. Oh là, j'ai peur qu'il me voit, là. Oh là, s'il voyait à quel point je l'ai rendu musclé, là, je sais pas s'il va être content. Yo, et oh. Et oh. Mec, tu m'entends? Alors, oh là, on l'entend plus, je sais pas. Oula. Mais comment ça qui je suis? C'est moi qui t'ai fait le vaccin. Enfin, qui t'ai fait, qui t'ai rajouté des hormones pour que tu deviennes géant. Hein? Tu as rapetissé mon cerveau. Oula, t'es devenu bête? Non. Non mais j'ai pas du tout rapetissé son cerveau. Mais non, je t'ai agrandi, mec. Et t'es devenu super grand. Oula. Non mec. Raté. Mais écoute, j'ai vraiment essayé de faire le plus gros effort que je puisse faire. Attends, viens, tu sais quoi? Il passe même plus les potes tellement qu'il est musclé. Attends, écoute, je vais te montrer une photo de toi histoire que tu puisses comprendre à quel point tu es balèze quand même, hein. Pourquoi je me vois de là-haut? Hein? Pourquoi je me vois de tout là-haut? Parce que regarde, t'es devenu trop musclé, mec. T'es devenu beaucoup trop musclé, regarde ton corps. Oh les potes, eh, oh, dans les commentaires. C'est toi. Ah, oula, mais tu parles de toi là, mec, hein. C'est toi que tu trouves beau. Oula, les gars. Ah, et ben écoutez les amis, je crois qu'on a un heureux parmi nous. Alors malheureusement, maintenant il va plus pouvoir traverser les murs. Mais non, mais mec, avec tous les muscles que t'as, je pense que tu peux le casser maintenant le mur. Hein. Ah. Hein? Rends-moi mes habits. Tes habits? Oula, ah mince, c'était ça. C'est toi qui les as volés. C'était donc ça tes habits? Attends, fais voir ça là. Ce que j'avais sur moi, ils sont où? Hein? Mais écoute, je sais pas. Mais tu sais où est-ce qu'ils sont tes habits? T'es devenu tellement grand qu'ils sont plus du tout à ta taille, les habits, maintenant. Je vais te tuer, les habits. Mais non, mais t'es devenu trop grand pour porter tes habits. T'es devenu trop grand. Ça. Ah, aïe! Ah, les potes, what? Il est en train de me mettre des plaques. Wouah, il casse tout pour pouvoir passer. Il casse tout pour pouvoir passer, les potes, regardez-moi ça. Les amis, ça tremble de partout, les amis. Il est tellement gros que la maison elle tremble de partout. Oh là,
Voilà, vite, allez, moi je pars, les gars, je pars. Bon, normalement, pour passer, il est forcément obligé de casser le mur, hein. Il est obligé de casser le mur, les potes, attention. Wouah ! Oh, les potes ! Mais la ville est actuellement en train de trembler de partout. Bon, eh bien, les potes, je pense que je sois médecin, que je sois policier, que je sois chirurgien, voilà, ça finit toujours par mal tourner. Les amis, c'est vraiment hallucinant à quel point je suis mauvais. J'excelle dans la nullité dans tous les domaines. Enfin, bref. En tout cas, les potes, si la vidéo vous a quand même plu et vous a diverti, hein, n'hésitez pas dès maintenant à tous vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le nom d'un métier dans lequel vous pensez que je pourrais être bon. Parce que bon, médecin, ça me réussit pas. Policier, ça me réussit pas. Chirurgien, ça me réussit pas, mais au final, qu'est-ce que je suis censé faire du coup? Voilà, bref, abonne-toi tout de suite à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification et dès maintenant, mets aussi un gros pouce bleu parce que si vous vous abonnez pas et que vous voulez équiper la vidéo en moins de 5 secondes, donc dépêche-toi. Et bah, apparemment, voilà, le gros villageois qui était là va venir chez toi ce soir. Voilà, il sera sous ton lit et il viendra évidemment te faire du mal. Donc voilà, dépêche-toi vite de t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et puis en même temps de mettre aussi un gros pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.